Salut les voyageurs, moi c'est Marine de Man Australia et aujourd'hui je vais vous donner plusieurs solutions concernant le forfait téléphonique en Australie. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit conseil pour vous. Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il est impératif d'avoir un numéro de téléphone australien lorsque vous souhaitez travailler en Australie. Il est pratiquement impossible de décrocher un job si vous n'avez pas de numéro australien. Les employeurs ne cherchent même pas quand ils voient un numéro étranger. Le numéro australien va vous servir pour votre CV, mais également pour toutes vos paperasses en Australie. Alors, il y a plusieurs choses à faire et à savoir concernant le forfait téléphonique en Australie. Donc tout d'abord, il faut que vous partiez avec un téléphone qui est débloqué, parce que s'il ne l'est pas, je peux vous dire que ça va être la grosse galère quand vous allez arriver là-bas. Donc il faut un téléphone débloqué. Ensuite, si vous avez un iPhone, vous pouvez prendre avec vous déjà une clé extracteur, je vous mets la photo juste ici, je suis sûre que vous voyez ce que c'est, ou un trombone pour pouvoir directement changer la carte SIM quand vous arrivez et ne pas être embêté à devoir chercher quelque chose et à pas forcément trouver. Donc prenez ça si vous avez, ça prend pas de place et au moins vous êtes tranquille, vous savez que vous l'avez. Les principaux opérateurs en Australie sont complètement méconnus en France. Donc le premier c'est Telstra, donc il dispose du réseau le plus important en Australie, mais il est un peu plus cher que ses concurrents. Ensuite on a Optus qui est une bonne alternative à Telstra, qui dispose d'un réseau un peu moins présent, mais c'est pas mal. Puis Vodafone qui propose vraiment des prix compétitifs, beaucoup plus que Telstra et Optus. Par contre lui il va avoir un réseau beaucoup moins développé, en particulier quand c'est pas en ville, donc il est très très bon en ville, mais quand vous êtes hors de la ville c'est un peu plus compliqué. De toute façon il faut savoir que le réseau en Australie, dès l'instant que vous êtes dans des zones reculées, c'est très compliqué, même si vous avez le meilleur opérateur tel que Telstra, c'est assez compliqué d'avoir un réseau quand vous êtes un peu paumé. Et enfin il y a Aldi qui propose vraiment des bons prix, enfin c'est un bon rapport qualité prix. Alors il y a deux types d'offres en Australie, donc les cartes prépayées, nommées prepaid, qui coûtent environ 30$ et qui sont vraiment l'astuce pour les backpackers parce que c'est pas cher, c'est facile et surtout c'est sans engagement, donc vous n'êtes pas embêté. Il vous suffit de la recharger tous les 30 jours puisque ça a une durée de 30 jours. Vous pouvez recharger directement sur votre téléphone. La carte en elle-même elle coûte 2$ et après vous ajoutez le montant que vous souhaitez. 30$ ça vous suffira pour vos SMS, pour aller un peu sur internet, pour vos appels en Australie. Normalement vous aurez assez. Petite astuce pour les cartes prépayées, mettez-vous souvent quand même en mode avion et utilisez la wifi au lieu d'utiliser les data. Il faut savoir qu'en Australie la wifi est un peu partout, enfin, en tout cas dans les grosses villes, et du coup profitez-en pour éviter d'utiliser beaucoup vos données mobiles ou même vos SMS. Prenez la wifi et allez sur WhatsApp ou Messenger ou ce que vous voulez, mais essayez de réduire un peu au maximum. Ensuite lisez bien les petites lignes parce que ça dépend des forfaits. Il y a des forfaits où votre solde est ajouté au mois prochain et d'autres où vous perdez, vous êtes à zéro. C'est-à-dire qu'au bout des 30 jours, même si vous n'avez pas utilisé les 30$, c'est perdu. Ou d'autres, même si vous n'avez pas utilisé les 30$, c'est recrédité sur l'autre mois. Donc lisez bien les petites lignes, renseignez-vous sur ça. Ensuite le deuxième forfait c'est le forfait avec engagement. Donc il y a 4 types de forfaits en Australie, le small, medium, large and extra large. Donc c'est vraiment les 4 forfaits qui existent en Australie, mais pour les PVTistes c'est quasiment impossible de les avoir. Déjà tout d'abord c'est pas vraiment le bon choix parce que c'est avec engagement en général de 12, 24 ou 36 mois. Donc c'est quand même assez, c'est sur une très longue période de 1, et de 2 c'est compliqué de l'avoir en tant que PVTiste parce qu'ils savent qu'après vous allez partir, vous allez pas forcément payer, du coup vous allez pas vous engager à continuer à payer si vous fermez votre compte, enfin bref, du coup pour eux comme pour vous c'est pas du tout la solution, surtout que c'est assez cher, c'est environ 50$. Donc c'est un budget, donc voilà, ça existe. Par exemple si vous êtes en student visa, après ça peut être un bon compromis de prendre un forfait comme en France finalement et pas une carte prépayée. Mais voilà, il est l'heure de ma petite astuce. Alors que j'ai appliqué moi-même quand je suis allée en Australie et que beaucoup de mes amis aussi français ont appliqué, c'est que j'ai pris Free pour aller en Australie. À cette époque c'était une vente privée, mais sinon le forfait est toujours d'actualité. C'est le forfait à 19,99€ ou 15,99€ quand vous êtes chez Free avec la box ou la télé, ou enfin bref. Mais sinon 19,99€, vous avez SMS, MMS, appel illimité et 25Go d'internet et après débit réduit. En Australie, mais aussi pour vos appels depuis l'Australie vers la France et la France vers l'Australie. Enfin vraiment, donc ça c'était vraiment un bon
plan parce que c'est 20 euros. Et à côté de ça, du coup, j'avais pris une carte prépayée. Mais vraiment, j'avais mis que dalle dessus parce que je l'utilisais pas du tout. C'était juste pour mettre sur mon CV australien après, quand j'ai commencé à travailler, puisque de base j'avais même pas de numéro australien vu que j'étais fille au pair, donc j'en avais pas vraiment besoin. On communiquait toujours par WhatsApp ou ils m'appelaient sur mon numéro français finalement, ou moi je les appelais. Donc du coup, vraiment, après j'ai pris une carte prépayée et je mettais pratiquement rien dessus et j'ai jamais utilisé beaucoup. Je crois que maximum j'ai utilisé 15$ par mois, quelque chose comme ça, parce que même quand après j'ai eu mon travail. J'avais mon numéro australien, mais on communiquait beaucoup par WhatsApp, sur des groupes WhatsApp. Donc finalement, c'était vraiment pour dire de postuler. Et par contre, on m'a appelé quand j'ai postulé sur ce numéro-là plusieurs fois. Bon, par contre, j'avais pris deux téléphones. J'avais mon téléphone et j'avais pris un ancien téléphone. Et comme ça, j'avais les deux. Ce qui permettait de pas devoir changer tout le temps et tout. Sinon, c'est une galère. Tu reçois pas les appels. Tu reçois pas les appels si on t'appelle sur ton numéro australien et que t'es actuellement sur ton numéro français. Donc du coup voilà ce que j'ai fait, c'est une astuce comme les autres, moi en tout cas ça m'a bien servi, donc je le dis, ça a été pour moi une très bonne astuce. Donc si jamais vous êtes par exemple même fille au pair ou quoi, donc vous n'avez pas forcément besoin de numéro australien, vous pouvez opter pour ça et prendre un petit téléphone à côté, juste pour mettre une carte SIM australienne au cas où. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos de conseils pour partir en Australie. Mettez un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous, c'est gratuit. Bye!